Woup woup, mon nom est Soldier, bienvenue dans la carrière de Jeff Hardy, épisode 5. On est au pay-per-view payback. Je rediffuse, il y a quoi comme comme match? Attendez, non, attends, comme tout ça, je m'en fous. Je vois le US Championship qui n'est pas. Ah si, défendu. Oh putain, oh, main event carrément. Rusev contre John Cena. Ok, moi je suis milieu de carte. Je suis où? Je suis là. En no holds bar face à Finn Balor. Alors là, ça va être cool parce que du coup, c'est. Un match sans exclamation, ça c'est. Ouais, on est parti! Ok, en plus c'est super cool vu qu'on est face au démon Balor. Vous voyez cette tenue avec la... le face paint et les genres de dread en papier, je ne sais trop quoi. Genre ça c'est cool. Je sais pas. Oh, 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 calme-toi. Ok, il est chaud. Mais c'est cool en fait que du coup, un peu perdu, ils mettent sa tenue secondaire. Vas-y, il me faudrait vraiment une tenue. Il me faudrait grave une tenue que genre pour les pay-per-view ou un truc comme ça. J'essaie de voir ce que je peux faire, mais. C'est cool pour les. Je trouve ça c'est super dangereux d'avoir ça. Une tenue spéciale pay-per-view. Je pense que c'est le seul à voir, c'est le seul à avoir ça. Hop, on est chaud quand ce match. Bon, je répète, c'est un match no holds bar. C'est pas pour le titre, mais si je gagne, je gagne la rivalité, il me semble. Après, je sais pas combien de temps peut durer la rivalité, mais. C'est ma première rivalité à SmackDown et. Pour l'instant, c'est bien parti. À part, il y a eu juste deux bugs. En fait, le match n'a pas pu se terminer. Mais sinon, en rivalité et tout, je trouve c'est cool. Voilà, comme par hasard, il me tape quand j'allais presque finir. J'ai la table. Du calme, toi. Voilà. Mange. Tiens, mange la table. T'aimes bien la table. Et voilà. DDT, hop, sorti nulle part. Au calme, je commence les hostilités. Je prends une chaise parce que je me bats les couilles. Enlève-toi. J'ai un peu de dignité, je te laisse te relever et boum, quoi il m'a contré. J'aurais pas dû te laisser te relever. J'ai trop de dignité en moi. J'ai trop d'honneur plutôt. J'ai plus. Je vais attendre mon contre. Bon, tu me laisses me relever. Merci. Oh, oh, oh. Boum, DDT, au calme. Tu l'as pas vu venir celui-là. Sorti nulle part. Donc si je gagne la rivalité, je suis... Oh, c'était quoi ça? C'était un petit peu brouillant tout ça. Si je gagne le match, je suppose que je gagne la rivalité vu que c'est un pay-per-view. Mais des fois, peut-être ça continue, mais là, je pense que ça va juste changer. Rivalité, donc après on aura un autre personnage. C'est cool, je pense que ça va me faire gagner des places dans le classement. Je suis 5ème toujours depuis le début. On a commencé 5ème, toujours 5ème, là on est genre à semaine... Bah la semaine 4 du roster, vu que il y a un peu perdu tous les 4 semaines en fin de mois. Je voulais le balancer. Oh, oh, oh! Je voulais le balancer dans le public. Mais tu fais quoi, toi, frère? Arrête! Ah, tu te fais du mal pour rien. Regarde, ça sert à rien en plus. Tu vois, ça sert à rien. Attention, je fais quoi? Oh, souplex inversé. Calme. Je vais faire un truc que j'avais fait la dernière fois. Reviens ici, s'il te plaît. Merci bien. Voilà. Ah, ça a changé d'angle. C'est pas grave. C'est pas grave. Coup spécial. Ça ressemble à... Bref, on s'en fout. Non, c'est important. L'important, c'est ça qui va arriver maintenant. Je l'ai fait la dernière fois, c'était en fan fight en plus, c'était cool, mais là... Oh non, il m'a contré. Oh, enfoiré. Oh putain, mon coup spécial. Oh my god. J'ai n'importe quoi en plus. Putain, mon oh my god, Rob Van Damme, où je te fais la leg drop sur la barricade, qui est super cool en plus. Et qui va super bien avec le style de Jeff Hardy. Là, du coup, j'ai perdu tous mes pourcentages de prise. Et c'est lui qui a tout gagné. Ça me gave un petit peu. Mais bon, en même temps, j'aurais peut-être attendre qu'il n'ait plus de contre. Hop, là, j'ai contré, donc ça va être cool. Pouvoir tenter des trucs. Il est en négatif. Petite technique, si vous ne savez pas quoi faire, quand vous avez votre adversaire en négatif, vous mettez dans le coin, vous l'attaquez une fois, deux fois, et ensuite vous faites une petite prise. Ou alors vous mettez sur le toit après. Le toit. Troisième corde, merde, le toit. Bien sûr. Parce que ce soir on va faire péter le toit ma gueule, tellement c'est chaud. Oh, comment j'ai lancé. C'est cool ça. En plus c'est vraiment bien ce que j'ai fait, donc j'ai bien trouvé. Hein. J'ai mis du temps à la chercher mais j'ai bien trouvé. Que fais-tu? Oh,
tu l'as pas vu venir celui-là. Oh, attention, twist of fate. Tu vois, c'est qu'il m'a mis dans le coin parce que je pense qu'il voulait faire son coup spécial où il me jette dans le coin avec son drop kick. Mais il a cru qu'il allait finir le match comme ça, lui. Match, bah, par contre, lève-toi. Et la pute vie, je suis encore en vert. J'ai Gérard mort ou c'est quoi le délire là? Je crois que j'ai Gérard mort. J'ai un petit tombé. Non, franchement, vas-y, tombé, je rate ça maintenant. 1, 2, ouais, j'en étais sûr qu'il les dégageait. Sinon, j'aurais annulé parce que je veux pas faire un match comme ça, même si je pense pas que le match allait venir comme ça. Mais. He's displaying classic offense here. Yeah, that's when he's the most dangerous. Floupé, c'est pas grave. J'espère qu'il me fasse son finisher sorti de nulle part là. Fuck. Vite, faut que je me sorte de là. Sors-toi de là. Non, t'as pas réussi. Sors-toi de là. Oh, s'il me fait son. Non, 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 c'est pas le faire ça. Respire, respire, respire. Oh, what? Oh my god, what the fuck? Il s'est téléporté. Non, je pensais que ça allait marcher. Oh, j'ai le gros seum là. Ah non, du coup il m'a déjà fait un finisher. Du coup, je vais inventer d'avoir toute ma vie verte et puis il était déjà en rouge. Et juste après il me fait un finisher. Ah, je me suis dit, si je loupe l'esquive, il va me le faire, ça va me faire mal. Vas-y, je me barre du ring. En fait, il s'est téléporté hors du ring. Et d'habitude il fait pas ça, enfin genre... Enfin je sais pas... Peut-être qu'il fait ça d'habitude, mais c'est trop bizarre. Parce que vraiment, quand je suis sorti du ring, il était encore sur la troisième corde. Le mec, il a changé de... Ah, attaque ton cœur. Le mec, il a changé de direction dans les airs, tu vois. Genre, c'est un avion, le truc. Qu'est-ce qu'il fait? Arrête tes conneries. Arrête, j'ai un truc à te faire voir. J'ai un truc à te faire voir, je viens de te dire. Ah fuck. Bon c'est bon, t'as compris là. Oh mais les champs avec les prises qui durent 15 ans en plus. Allez stop. Stop. SVP. Laisse-moi me relever. Putain j'ai 4000 comptes, j'arrive pas à les utiliser depuis tout à l'heure. Mais what? Vas-y je crois que je vais augmenter. Bah je crois que je vais augmenter en plus mon contre à fond. Dans les attributs parce que justement ça me saoulait de pas pouvoir contrer tout le temps. Parce que c'était un faible contre, même si t'es fort en... Trop tard. Bon, de toute façon, je suis pas fort en contre, je fais n'importe quoi. Wow, ok, ça va marcher le truc. Ah mais il va me refaire son finisher, mais sérieux là? Relève-toi, relève-toi. Ah ok, mais il me dit bon, me relever, qu'est-ce qu'il va faire? Louper ma gueule, c'est ça qui est bon. C'est ça qu'on aime, t'as vu, frère. Vas-y, là, t'attends quoi, relève-toi, là. Bah alors, t'as du mal à te relever. Putain, il contre jamais, il a 4 contre en stock. Et là, comme par hasard, je fais une prise de contre. Hein. Oula, j'ai cru qu'il est monté sur... Ah ça, t'inquiète, mais je me démarre pas mal en tombé. Attention, surprise. Enfin, je récupère un peu mon endurance. Ah là là, mais j'arrive jamais à le contrer ce code breaker, c'est chiant. C'est excessivement énervant. Le deuxième twist of fate de la soirée. Ah merci, t'as utilisé ton contre. Bravo. Oh oh oh. He's certainly showing us something new from his repertoire. That's cool. I like new stuff. Non, pas tomber, pas tomber. Fais pas ça, frère. J'ai peur que le match se finisse trop rapidement là.
Moi je vais être dans le public et tout, on n'a pas le temps de faire les conneries là. T'as pas le temps de t'amuser. Ouais, est-ce que je tente de faire son finisher à lui, le coup de gras, comme tout le monde dit. Vas-y, j'espère que... Ah, j'allais dire qu'il me contrer. J'ai bien fait de pas le faire. Par contre, j'ai peur, là. Non, 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 mais non, non, dégage. Ah là là, c'est chiant. Oh non, 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 non. Mon Dieu, mon Dieu. Là, je suis mort, là. Ça, je suis mort. Oh putain, j'ai grave 9 si je suis mort. Si je me dégage pas du compte, je suis mort. SVP. What the fuck? Oh, j'ai grave vu ça, mais j'avais des finishers en plus. Putain, mauvais timing de ouf. J'ai perdu mon endurance, du coup j'ai pas pu sortir du regard de temps. Oh, j'ai l'impression que je suis trop nul. Oh, mais le match, en plus, c'était court et tout. J'avais deux finishers, il y en avait deux lui aussi. Non, oh là là, j'ai quand même le seum. Putain, du coup, ça fait un épisode hyper court. Ah, je suis choqué moi-même là. Comment ça se fait que le match était si rapide? C'est quoi ces conneries? Faut que j'augmente à fond mes capacités là, c'est pas possible. Du coup, les autres. En fait, je m'en bats les couilles des autres. Ah, John Cena, nouveau champion US, sérieux? Waouh, chaud. Je voulais me battre face à Rousseff, moi. Du coup, j'ai grave le seum d'avoir perdu mon premier match en pay-per-view. Non. Pourquoi? Alors, du coup, est-ce que la rivalité est finie ou pas? Attention. Ah bah non, la rivalité n'est pas finie. D'accord, bah c'est cool, ça. Oh putain, la prochaine fois Kevin Owens. Ok. Alors, qu'est-ce qui a changé dans le classement? Ah, il est resté 4ème, lui, en plus, le pauvre. Le pauvre, il est resté 4ème... Putain, mais je comprends pas. Dean Ambrose est deuxième alors que, ouais, il est champion intercontinental. Je comprendrai jamais. Va falloir vraiment que j'augmente mes statistiques parce que là. Enfin, mes attributs parce que là, j'étais dans le rouge, mais hyper vite fait. Du coup, ma barre de tombée était faible vu qu'il m'a fait son coup de grâce en finisher. J'ai toujours grave le seum, putain. Alors, la dernière fois, c'était. Je sais pas, la rivalité se passait bien. C'était Finn Balor, définition du seum. Là, c'est Jeff Hardy, définition du seum. C'est pas cool. Déclencher un briseur de barricade à deux reprises dans le match sur les deux côtés extérieurs. Waouh, sérieux? Je sais même pas si j'ai cassé la barricade, moi. Je crois même pas que je l'ai, frère. Donc je sais pas si ça va marcher ton défi, là. Parce qu'Evan Owens, c'est pas la moitié d'un trou de balle. Oula, je peux parler. C'est pas la moitié d'un trou de balle, alors, pour faire tout ça. Bon, alors, désolé, j'ai un peu merdé. Mais c'est la fin de cet épisode, qui est un beaucoup plus court que d'habitude, même, mais... J'ai préféré juste le pay-per-view, mais je pensais vraiment que le match a duré beaucoup plus longtemps que ça. Franchement, c'est pas du tout le même niveau de... Parce que là, je joue vraiment en difficulté maximum, c'est légendaire, je crois. Donc c'est vraiment pas du tout le même niveau que NXT et Main Roster. Vu que à NXT, ils ont tous des niveaux général plus bas. Genre, je sais pas, ça tourne dans les 70, 80. Et là, dans le roster, ça approche les 90, même plus, donc c'est chaud. Finn Balor, il a combien? Je crois il a 88. Putain, avec 88, moi je suis qu'à 80 et encore. J'ai augmenté pas mal dès le début. Regarde, attends, là, je passe pour voir. NXT, attendez, 2 secondes. Par exemple, vous voyez là, il y a que des 70. À part Shinsuke et Samoa Joe, il y a que des 70 partout. 69 Fandango, 67 Bo Dallas. Ah, putain, mais c'est normal que je battais tout le monde dans ma carrière saison 1 à NXT. Bon, bah c'est pas grave, on va essayer de se rattraper la prochaine fois. En plus, la rivalité n'est pas finie, ça fait que c'est cool. Normalement, je peux continuer à faire le con avec Finn Balor. Peut-être qu'on aura un deuxième match, un pay-per-view, et là je battrai. Parce que moi, je veux battre ce putain de démon Balor. Mais allez, c'est tout pour moi. Prochain épisode demain, 16h. Ciao tout le monde, abonnez-vous. Ciao tout le monde, Soulja out. My seat, 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 my seat.